Et bien bonjour tout le monde, c'est Mustatone de Toon Studio Prod. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo découverte de workshop sur le jeu Planet Coaster. Content de vous retrouver, ça fait très plaisir. Aujourd'hui vous n'aurez pas une, mais deux vidéos. Oh la vache, incroyable n'est-ce pas? Et du coup aujourd'hui, bah comme on a deux petites vidéos, donc une petite vidéo de présentation de workshop et la deuxième qui arrivera bah, tout à l'heure, qui sera donc une vidéo classique de Planet Coaster sur le land Toonland. Et bien aujourd'hui je vais vous proposer d'aller voir un petit workshop qui a été fait par Andre Smart et qui a fait une recréation de Splash Mountain assez bluffante. Je crois que c'est la zone frontière land en gros qui est actuellement à Disney California. Et c'est assez ouf en fait, parce que moi j'avais vu des images en fait sur internet de comparaison qui étaient assez dinguissimes. Où on voyait en fait une image réelle et l'image bah, qui a été faite dans le jeu, et c'était assez bluffant parce que chaque détail a été fait à la perfection. Donc moi ça m'avait vraiment très étonné et j'ai du coup cherché cette map là dans le workshop. Je l'ai trouvée pas sans difficulté, donc j'ai tapé juste Disneyland et j'ai regardé dans les plus populaires et je suis tombé dessus. De toute manière, comme vous le savez, et bah ça sera dans la description de la vidéo comme d'habitude. Moi, je vous facilite beaucoup la tâche. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Parce que, en ce moment, comme vous le savez, c'est un petit peu la cata pour Toon Studio Prod. De toute manière, je pense que pas tout le monde est au courant. Mais on ne sait pas si on a subi un genre de piratage ou que quelqu'un a essayé d'accéder à notre compte récemment. Mais on a perdu pas mal de vidéos. Mais bon, je vous en parle pas trop aujourd'hui. De toute manière, si vous voulez vraiment être informé, bah, pour le moment, j'en parle sur les réseaux type Snapchat et aussi sur Twitter. Mais de toute façon, une prochaine vidéo arrivera sur le sujet de toute manière, parce que c'est vrai que là, ces derniers temps, on a eu quelques petites catastrophes qui font que moi, ça m'a limite un petit peu interrompu dans les vidéos. Bon, ce n'est pas ça, on est là pour jouer aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va découvrir cette petite... Oh! Oh là là! Oh là 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 là! Mais je dis oui! Je dis oui! Alors oui, c'est exactement la même photo du coup que j'ai vue sur internet. C'était exactement ça. Alors attendez, je vais même prendre un petit plan pour que vous voyez quand même la ressemblance de l'extrême. Mais là, ce que vous voyez, c'est vraiment du typique. Le mec s'est buté. Oh là 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 là, il s'est buté. C'est incroyable. Oh là 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 là. Oh la vache. Ah. C'est tellement bien! Mais j'adore! Mais il a même fait les backstage et tout, non mais. Puis remarquez la fluidité de la chose. Voyons. Ah, c'est génial! Ah oui! Oh, j'adore! Oh, il a même fait le. Ah oui, non. Non, là, franchement, les toons. Là, il faut vraiment s'en inspirer, hein, parce que n'empêche, le mec qui a fait ça. Ah, il est doué! Ah, il est clairement doué! Puis, bizarrement, vous voyez? Ça prend pas tant de place que ça, quoi. Ah ouais, clairement, ça prend pas tant de place que ça même. Hein. Je suis assez étonné. Oh, c'est génial. Le mec a fait de l'optimisation de l'espace en plus, mais thankful. Ah, mais il a fait... Oh non, il a fait un tel mansion, quoi. En plus, c'est incroyable. C'est beau, quoi, mais... Ah ouais. Mais regardez, quoi, le détail est là. Hein. Il est présent, quoi. Il est vraiment présent, le détail. Hein. Aïe, aïe, aïe. Puis avoir mis le bateau, c'était une très bonne idée d'ailleurs, ça t'incruste parfaitement au décor. On va juste faire du coup un petit tour comme d'habitude de journée, et puis ensuite on regardera plus précisément qu'est-ce que ça donne de nuit. Et puis bah écoutez, après bah c'est parti quoi. Ah ouais, le détail, attendez, parce que là je vous rendais peut-être pas compte, mais il y a du détail, hein. Chaque petite pierre a été posée minutieusement et c'est assez incroyable, hein. Ah ouais, mais moi, là vraiment, je me sens comme dans le vrai parc d'attractions, même si je ne suis jamais allé, je vous avoue. Mais j'ai vu les images juste de comparaison, c'était assez bluffant, quoi. C'était vraiment incroyable, quoi. On va regarder un petit peu, donc là, il y a une petite boutique, super. Tout est extrêmement bien thématisé, quoi. Tout est détaillé au plus haut point, quoi. The Mini Adventure of Pooh, Winnie the Pooh. Oh non, il y a ça aussi. Oh oui! Trop bien! Ah, mais il n'y a pas l'intérieur, d'accord.
Ah, dommage! Dommage, dommage, mais rien que le fait d'avoir fait l'extérieur, ça prouve à quel point. Non, mais je rêve, il a même fait un petit ruisseau comme ça avec juste des blocs de couleurs, c'est assez ouf. Regardez, tout est en détail, tout est en détail, c'est incroyable. Vraiment, ce mec-là, il a le sens du détail, mais assez pointu quand même. Regardez ça. Bah, hâte de faire déjà l'attraction. Avant, on fait le petit tour encore complet, hein, histoire de voir. Alors, est-ce que... Ah ouais, c'est vraiment très très très... attendez. Là, on va voir s'il a vraiment fait la précision, est-ce qu'il a fait les flashs. Ah, il a fait les flashs. Il a fait les flashs. Mais vraiment, hein, ça a pas l'air si grand que ça. Hein. Puis même... Ah oh ouais, mais même les backstage, quoi. Non, mais... oh, il a fait les supports et tout. Ah oh ouais. Ah ouais. Ah oui, c'est vraiment pas mal. Hein. Oh. Vous voyez ça? Ah ouais. Oh, ça va être génial, je le sens les tout. On va bien s'amuser sur cette map-là, je pense. Ça va être vraiment cool. Alors, et du coup, ce restaurant-là, du coup, qui s'appelle Hungry Beer, donc bah, l'ours qui a faim. C'est assez bien. Hein. Ah, du coup, c'est. Ouais, d'accord, c'est un snack dans le mur. Ok. Mais c'est vraiment bien parce que même le fait d'avoir fait les tables, bon, après, c'est du copier-coller, du coup, il y a juste à faire une table et après, c'est du copier-coller, mais quand même. Quand même, ça prouve encore une fois que il s'est quand même assez buté pour le faire. Ok. Et bah parfait, même la petite barque et tout, c'est super sympa. Franchement, ça donne une bonne atmosphère. Par contre, je vais juste. Ah voilà. Ça m'énerve un petit peu que ça sélectionne tout. On va regarder un petit peu la version de nuit maintenant. Tac. Du coup, on va mettre 21h. Allez, c'est parti. Et bah, c'est super beau. C'est super cosy, quoi. Ah, c'est beau. Ah, c'est trop bien fait quoi. Vous voyez, sur ça, je vous disais que les bûches finalement ça s'accordait parfaitement un petit peu à l'univers. C'est que. Bah, c'est fait pour. Hein. Alors, attendez. Si on suit bien la file, on va dans le mur là. What the fuck? Ah. Pourquoi l'avoir mis dans le sol? What? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah oui, d'accord, là c'est complètement fucké là. Je me disais que la taille du bâtiment aussi elle était un petit peu petite, mais là. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? C'est pas du tout Haunted Mansion là. Ok, bah en fait c'est juste le fait d'avoir fait le bâtiment de l'extérieur qui est vraiment cool, c'est le sens du détail quoi. C'est le fait juste d'avoir dit bon, on l'a fait quand même, même si on l'a pas vraiment fait. Voilà. Mais c'est pas grave. Allez, on va se mettre un peu dans l'immersion d'un personnage, juste pour voir, parce que je pense que ça va très bien rendre. Alors, pas comme ça, s'il vous plaît. Voilà, comme ça. On va rester un peu comme ça, on va regarder un petit peu ce que ça donne, parce que moi je trouve que c'est vraiment très sympa. Oh, c'est joli. C'est trop beau. Ah oui, du coup, les gens ils se marchent un petit peu dessus, malheureusement. Mais regardez, rien que comme ça, du coup, on a un petit peu plus. Ce que j'aime bien avec ce mode, c'est que c'est plutôt cool. Enfin, on est vraiment dans l'immersion totale des personnages. Ça, c'est vraiment cool. Alors, même si c'est vrai que leurs directions sont pas forcément très naturelles, je dois dire. Ah oui, là, on s'y sent complètement. Ah ouais. Pardon, monsieur, vous gâchez un petit peu la vie avec votre touffe. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Oui, mais c'est pas la peine de me regarder comme ça, voyons. Ah, en plus tu me fais laguer. Incroyable ça, hein. Ah, c'est beau. Vraiment très sympa. Puis on se fait percuter par une bûche. Non, franchement, c'est très bien. On va un petit peu accélérer. Voilà, j'espère que tu te diriges vers l'attraction au moins. Je pense, peut-être. Maybe. Maybe not. ah, il a fait les fast-pass, regardez. Si on regarde bien. Il a même fait les fast-pass return. Ah ouais. Bon, arrêtez de mettre les. Oh, c'est encore toi, mais tu as arrêté, oui. Tu peux essayer de me laisser la grappe. Lâcher la grappe plutôt. Laisser la grappe. Non, on va pas faire Winnie Pooh, voilà.
cours au-dessus de ta route, voilà, parfaitement. T'étais sur le bon chemin là. Allez. Allez, qu'est-ce que tu fais? Mais non, mais tu vas où là? Tu vas dans les buissons. Oui, très bien. Bon, d'accord, très bien. Bon, écoute, on va quitter ce mode. Et on va se diriger par nous-mêmes comme des grands dans cette attraction. Alors. Du coup, l'attraction principale, j'imagine que c'est là où ils sont complètement tassés entre eux, quoi, c'est incroyable. Mais l'attraction de base, du coup, l'entrée, elle est là. Ok. Ah ouais, il y a vraiment les files d'attente intérieure et tout. Bon, on va passer directement à la file comme ça intérieure. Alors, on va regarder. Ah, vraiment très sympa dans les décors et tout, hein. Ah oui, d'accord. C'est vraiment très serré. Ok, on passe par là. C'est pire que notre file d'attente de Bitter d'inventaire. Ok. Ah ouais. Ah. Ah, c'est vraiment tout petit le chemin, regardez la taille du chemin quoi. Bon, après les visiteurs, j'avoue, ils se tapent un petit peu les poteaux du coup. Malgré eux. Ah oui, ils se tapent pas du tout un petit peu en fait, ils se tapent complètement les murs en fait. Il y a beaucoup de fictifs en fait. Je sais pas où je suis. Bon. Ah, nous voilà dans la gare. Je sais pas où on était mais. Bon, de toute manière, regardez, ils apparaissent dans un mur, donc clairement, on n'allait pas. Je pense pas qu'on allait trouver la. Ah, mais c'est trop cosy! Ah! Il y a des petits coups de lag, hein, tout d'un coup. Bah, moi, je pense qu'on va faire l'attraction de nuit. Ça peut être vraiment sympa. En tout cas, c'est trop beau. C'est vraiment exactement comme ça, quoi. En plus, c'est super beau. Alors. On va voir comme ça. Non, il y a combien de wagons? C'est pas. Et bah parfait. Voilà. Une vision comme ça, moi je pense que c'est plutôt sympathique. Mais ça on n'a pas trop. Parce que la bûche, le problème de la bûche si vous êtes en vision avant, c'est qu'on voit pas grand chose. Ah, regardez vos bras, vos jambes à l'intérieur du bateau. Que toute la durée du voyage et surveiller les enfants. Du coup, je sais pas s'il y avait une petite musique et tout, mais à la limite, c'est pas si grave que ça. Je pourrais peut-être vous la rajouter en montage. Ça, c'est pas un problème. C'est vraiment cool. Hein. Oh, regardez-moi cette vue. It's pretty nice. Tout y est, hein, les éclairages et tout le reste, franchement, ça a l'air d'être très complet sur le coup. Après, de toute manière, le mec n'a pas spécifié que c'était la zone Frontierland, il l'a fait comme ça parce qu'il avait envie de le faire, mais finalement, il n'a pas précisé. Et à mon avis, il a voulu juste mettre en avant l'attraction de Splash Mountain. C'est très sympathique, hein. C'est beau, franchement. Je suis assez impressionné quand même par son sens du détail qui est assez assez poussé. Après, vous me direz sur le jeu Planet Coaster. Franchement, si vous adorez être très minutieux et perfectionniste, c'est le jeu idéal. Hein, c'est limite un jeu qui se rapproche très facilement de ce que font les designers pour créer un jeu. C'est vraiment comme ça à peu près qui crée une map. Donc ça, c'est cool quoi. Brick Beer. Là, je crois qu'on a la première descente qui va arriver. Nice. Allez, c'est parti. Oui! Elle était un petit peu petite quand même. Précisons-le. Mais c'était sympathique. Elle a le mérite d'exister. Ah oui, mais ils ont vraiment fait l'attraction quoi à l'intérieur. Mais je me demande quand même comment ils ont fait parce que ça m'a l'air vraiment petit en fait au niveau de l'optimisation de l'espace. Et finalement, ça passe hein, quand même. Ça passe. C'est marrant. Est-ce qu'il y a des décors sur le côté? Oui, bon, après, il n'y a pas masse de décors. Mais bon. En même temps, c'est un peu compliqué de reproduire Splash Mountain parce que là, il y a pas mal d'audio.
animatronique et tout à faire. Surtout qu'il n'y a pas. Quand on y réfléchit un petit peu, il n'y a pas un seul objet en rapport avec des animaux dans le jeu. Ce qui est un peu étrange d'ailleurs. Il n'y a pas de. C'est vrai qu'il n'y a aucun objet qui est en rapport avec les animaux. Il n'y a pas de animatronics avec des animaux. C'est un peu spécial d'ailleurs. Parce que je crois que le seul truc finalement c'est des dragons. Et encore, on peut pas considérer les dragons comme un. What the fuck? C'est bizarre ce truc là. Hein. En tout cas, il n'y a pas trop de décor en même temps, c'est plus simple. En fait, il s'est vraiment buté sur l'extérieur de l'attraction, j'ai l'impression. Parce que là, du coup, il n'y a plus rien dans l'attraction. C'est un peu vide. On va juste augmenter. Voir un petit peu. Ouais, ah bah c'est dommage parce que du coup, c'est vrai que quand on y réfléchit, il n'a pas beaucoup fait l'intérieur, ouais. Ah ouais, il a même rien fait de l'intérieur du coup. Hein. Parce que là, il y a beaucoup plus de scènes que ça dans Splash Mountain et là, très clairement, il y avait plus rien. On a la descente. Yeah! Regardez la vue. Oh, c'est trop bien. Apparemment, il y a rien à dire. Par contre, pour l'extérieur, c'est super bien fait, quoi. Pour l'extérieur, c'est extrêmement fidèle et ça respecte complètement ce qu'il y a en Californie. Hein. Ah, je pensais que c'était des déclencheurs ce qu'il y avait au-dessus, mais en fait, non, c'est juste les barrières, en fait. D'accord. Ok. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il a même fait les contours sur le côté, en fait. Les passages, un petit peu de sécurité et tout. En fait, la dernière scène qu'il a fait, c'est celle-ci, du coup. Ah! Et bah, bizarrement, elle est super bien faite! C'est dommage qu'il a pas fait ça sur tout le long. Elle est très bien faite, en plus, la scène, quoi. Quand il sort de zip-tidi-do-da, alors du coup, il n'y a plus rien. On va avancer. Ah, et voilà, c'est la fin. Ok. Et bah écoutez, je crois que c'est sur ces dernières images qu'on va se quitter. Bah c'était sympa. Franchement, c'était sympa. Si je devrais peut-être attribuer une petite note, je mettrais 8. Peut-être pas 9, pourquoi? Parce que du coup, il n'y a quand même pas l'intérieur de l'attraction. Et ça, je trouve que c'est quand même vraiment dommage parce que oui. L'extérieur, mais du coup, il n'y a pas l'intérieur, et ça, c'est. J'ai un petit manque en plus. Mais en tout cas, au niveau extérieur, c'est assez incroyable. Il n'y a rien à dire, c'est très bien fait. On va juste remettre le jour. Voilà, parfait. En tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé. Bravo aux petits créateurs. Et on se retrouve un autre jour, ou même tout à l'heure, pour la suite de Planet Coaster. Et portez-vous bien d'ici là. Petit pouce bleu de soutien, bien évidemment, si cette vidéo vous aura plu, et à vous abonner à la chaîne de Studio Prod pour d'autres aventures Super Toon, Fantastoon, voilà. On se retrouve la prochaine fois, c'était Mustoon, ciao ciao!